Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pourquoi ma connexion est partie? Bonsoir. Alors, on a un peu d'avance, hein, il est 59. C'était juste pour tout paramétrer. J'ai un problème avec mon zoom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je laisse les personnes, je laisse Instagram vous informer qu'on est connecté. Je laisse les personnes venir sur Zoom tranquillement. On est sur Zoom pour toutes les personnes qui veulent vivre l'expérience avec les partages d'écran, etc. Alors, si c'est juste possible de fermer les micros pour les personnes qui ne n'interviennent pas. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça va monter, hein? Bienvenue. Mon sponsor, maman Sénat, maman Mélissa, maman Ruth. Bonsoir, maman Leila. Bisous. Bonsoir. Alors sur Zoom, on monte également. J'espère que vous allez bien. Hein? Ce soir, on parle du bilan. On parle de comment faire le bilan de l'année de nos enfants. On parle de comment se projeter, comment préparer spirituellement l'année 2024 qui arrive très bientôt parce qu'on est déjà le 10 décembre. Hein? Donc, ça arrive vite. Hein? Donc, je vais osciller comme ça. Donc, j'ai Instagram en haut, Zoom en bas. Mais tout va bien. Tout va bien. Bienvenue encore. Bienvenue encore. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous voir, de vous avoir ce soir. Alors, j'avais prévu initialement faire ce live en deux fois. Parce que c'est quand même assez. Bon, il y a beaucoup d'informations. Mais au niveau de l'agenda, c'est vraiment, vraiment serré. Donc. Du coup, on va le faire une fois ce soir et je crois que le Seigneur va vraiment nous conduire, nous accompagner étape après étape. Donc je vous laisse partager, inviter les mères que vous connaissez, inviter les mères que vous connaissez, dites-leur qu'il y a un bon plan là-bas parce qu'assurément, le Seigneur a une parole, a quelque chose à nous apprendre ce soir. Très bien, ben on va commencer hein, avant de, sans plus tarder, on va commencer. Donnez-moi juste une minute, je me permets d'enregistrer le zoom. Je vais enregistrer. Donc, vous allez recevoir la demande. La demande à valider. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros. Si vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vous propose sans plus tarder qu'on puisse prendre le temps de prier hein, avant que les autres personnes nous rejoignent pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Hein. C'est un temps spirituel, donc on ne peut rien faire sans inviter celui qui nous rassemble et qui nous réunit ce soir. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons prendre le temps de te dire merci parce que tu nous as réunis encore ce soir. Merci parce que tu as rassemblé les mères des quatre coins du monde pour cette cause qui tient à ton cœur. Oui, parce que je crois que c'est une cause qui tient à ton cœur. Et nous voulons véritablement te laisser le leadership de ce moment.
te laisser toute la place, que tu puisses prendre le contrôle de tout ce qu'on va partager, de tout ce qui va être dit. Seigneur Saint-Esprit, viens inspirer. Si une maman a décidé, Seigneur, de s'inscrire et de se connecter à ce live, c'est parce que elle a à cœur l'avenir et la destinée de ses enfants, Seigneur. Alors je prie de ce que toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, que tu puisses nous rémunérer avec intérêt composé et intérêt composé pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants que nous aimons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, que l'honneur et la gloire te reviennent, Saint-Esprit, et à toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. So, on va commencer, hein, on va commencer. Donc, le temps que les personnes nous rejoignent, on va commencer. Alors aujourd'hui, bonsoir encore, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints, bonsoir et bienvenue, 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 bienvenue à ce live. C'est un petit temps qu'on met à part juste pour parler entre nous les mères là, parce qu'entre nous les mères, on connaît un peu nos réalités, même les personnes qui ne sont pas encore forcément mères, hein, c'est bon d'écouter ce genre de choses pour se préparer. Donc voilà, bienvenue, bienvenue encore à ce live, hein. Alors déjà pour remettre un peu le contexte, ce que je vais vous partager ce soir, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire il y a déjà 2 ans. Donc cette année, c'est la 3e année que je fais ça, du coup. Et j'ai remarqué que pour ma propre vie, par rapport à mes enfants, ça portait du fruit. Et donc j'ai eu à cœur de le partager avec tout le monde, hein. J'ai eu à cœur de le partager avec tout le monde parce que je crois que ça peut vraiment être une valeur ajoutée pour nous en tant que mères dans l'éducation de nos enfants par la grâce de Dieu. Donc voilà, je ne suis pas coach en développement personnel, je ne suis rien de ça. Je suis simplement une mère qui, comme vous, connectée à cœur la destinée et le bonheur de ses enfants. Amen. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Et voilà. Alors, je voulais savoir un peu avant de commencer d'emblée là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà le bilan de l'année de son enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà cet exercice-là? Est-ce que vous pouvez lever la main virtuelle? La main virtuelle, est-ce que vous pouvez lever? Ou bien sur le chat sur Instagram, est-ce que vous pouvez être moi, je fais déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ça? Ou bien, c'est vrai qu'avant, j'ai fait un petit sondage là où je demandais un peu. Et puis, la plupart des réponses étaient quoi? J'ai jamais pensé. Ou bien, est-ce que c'est un nouveau concept? Ou bien, c'est quoi encore ce truc, Nadja, que tu nous sors? Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Ça va bien se passer. On va passer un bon moment et je crois vraiment que le Seigneur, par son esprit, va nous faire du bien. Ok, donc j'ai pas vu de main levée. Je pense et je considère que bah c'est peut-être pas un exercice qu'on fait déjà. Et je comprends parce que moi aussi j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais entendu parler de ça quelque part. Hein. C'est vraiment dans le lieu secret, dans mon intimité avec le Seigneur que j'ai été poussée à faire du coup cet exercice. Et du coup bah voilà, j'ai eu à cœur de le partager. Alors ce soir on va voir plusieurs choses. La première chose, qu'est-ce qu'un bilan de fin d'année? Premièrement, on va voir pourquoi est-ce qu'il est important de faire le bilan de son enfant. Deuxièmement, on va voir comment y arriver, c'est-à-dire, ok, faire le bilan, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Et troisièmement, on va voir comment préparer spirituellement l'année 2024 de nos enfants. Ok? Vous savez, lorsque c'est peut-être une nouvelle année, d'habitude, vous avez pris le temps, lorsque c'est une nouvelle année, de prier pour l'enfant, on prie pour nos enfants, Seigneur, vraiment cette année, je te recommande mon enfant, protège mon enfant, garde-le en santé, étends ta main sur sa vie, sur ses allers-retours, sa croissance. Bon, on prie de manière un peu générale, et c'est normal, je pense on le fait tout, hein. Mais ce soir, je suis venue dire à une mère qu'il y a plus. Est-ce que tu peux dire là où tu es, il y a plus? Il y a plus que tu peux faire pour tes enfants. Il y a plus. Des fois, quand je fais les challenges de prière, même au travers de mes livres, les mères, il y a un retour qui est peut-être un peu unanime. C'est un mot, mais j'avais jamais pensé à ça. Ou bien, des fois, je voulais prier, mais j'avais pas forcément les mots, ok? Et le fait de faire le bilan de son enfant, vous ne serez plus jamais démunis dans la prière pour votre enfant, parce que ça va vous permettre d'avoir des sujets précis par rapport à la vie de vos enfants. Amen. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un exercice qui pour moi c'est très important. Je prends vraiment ça au sérieux et je prie que vraiment ce soir vous puissiez également prendre cela au sérieux. Je prie et je déclare et décrète ce soir que, alors que la Bible dit dans Ésaïe 1, verset 19, que si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Et je veux déclarer ce soir que si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, chère maman, vous mangerez les meilleures productions du pays pour votre enfant en 2024 dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi faire le bilan de l'année?
C'est quoi faire le bilan de l'année? Faire le bilan de l'année, c'est simplement faire une auto-évaluation de comment l'année s'est passée. OK? Faire une auto-évaluation de comment l'année s'est passée, c'est se poser les bonnes questions sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cela contribue à la meilleure croissance de notre enfant. En fait, c'est ça faire le bilan de l'année de son enfant. OK? Et je précise une chose très importante. Alors attention, excusez-moi sur Zoom si vous pouvez juste fermer les micros. Merci. Alors je précise une chose, c'est que le bilan de fin d'année peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Moi, je le fais en fin d'année parce que la fin d'année marque l'entrée dans un chiffre au niveau de l'agenda calendaire. Mais comme je disais, le changement d'année n'entraîne pas forcément le changement de la saison pour nos enfants. Okay, donc un enfant qui est dans la petite enfance, c'est pas parce qu'on change d'année qu'il a changé sa saison. Un enfant qui est adolescent, c'est pas parce qu'on l'a changé d'année qu'il a changé sa saison. Okay? Mais la fin d'année, étant donné que déjà plusieurs d'entre nous, on se prête déjà à l'exercice de faire le bilan. Donc, c'est pour ça que j'encourage justement, au-delà de faire notre bilan en tant que mère, que nous puissions faire également le bilan de nos enfants. C'est tellement, tellement important et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de ce live. D'accord? Ok, donc, le bilan, et une chose très importante, c'est que le bilan se fait avec Dieu. Est-ce que tu peux dire le bilan se fait avec Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous a donné ses enfants. C'est Dieu qui nous a confié ses enfants. On ne peut pas faire le bilan sans Dieu. C'est lui le propriétaire de nos enfants. Amen. On est d'accord ou pas? C'est lui le propriétaire de nos enfants, donc on ne peut pas faire le bilan sans Dieu. Donc le bilan se fait avec Dieu. Amen. Alors on va passer au deuxième point. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire le bilan de l'année de son enfant? Pourquoi est-ce qu'il est important de s'arrêter, de se poser pour faire le bilan de notre enfant? Pourquoi? Première raison. J'en ai cité quatre, il y en a plus peut-être, hein, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager quatre. Première raison, c'est que toute créature, tout ce que vous voulez, a besoin des fois de maintenance pour son bon fonctionnement, a besoin de révision. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous ici qui sont véhiculées. Je pense qu'à un moment, la voiture, si tu veux que ta voiture fonctionne bien, tu as besoin de te poser, de faire un stop et d'aller, de faire un stop et d'aller pour la maintenance de ta voiture, pour la révision de ta voiture. Lorsque, par exemple, même en entreprise, on fait les bilans, en fin d'année, on fait les bilans comptables, etc. Le ballon de chauffage, moi j'ai un ballon de chauffage, on dit maintenance chaque année, il faut regarder. Parce que si tu ne fais pas ça, bah, tu vas être surpris que ton instrument, ton outil est gâté. Et bah, tu sais pas, mais il fallait faire la maintenance. Parce que quand tu fais une maintenance, quand tu fais une révision, ça te permet de prévenir justement ce genre de choses et ça optimise en fait le fonctionnement de l'appareil. Où est-ce que je veux dire? Déjà humainement, dans le monde naturel, toute chose a besoin de révision. Toute chose a besoin qu'on se pose. Toute chose a besoin qu'on se pose. Et des fois, malheureusement, en tant que parent, en tant que mère, puisque je m'adresse aux mères, on fait l'erreur des fois de ne jamais s'arrêter sur la vie de nos enfants. Donc, on les voit en train de se plaindre. Oh, l'enfant, s'il est têtu. L'enfant, s'il est désobéissant. Déjà, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Mon enfant n'est pas têtu. Mon enfant a désobéi, mais mon enfant n'est pas désobéissant. Qui voit de quoi il parle? Est-ce qu'il y a une mère qui voit de quoi je parle? Parce que des fois, c'est pas parce que mon enfant n'a pas écouté, c'est pas parce que mon enfant a désobéi qu'il est désobéissant. C'est pas ça. Je fais une parenthèse, hein. Je pense que je dois le souligner, puis je vais fermer la parenthèse. Donc, des fois, notre proclamation même, on est en train d'appeler à l'existence des choses qu'on n'aimerait pas. Oh, l'enfant, s'il est têtu, l'enfant, il est désobéissant. Non, l'enfant n'est pas désobéissant, il a désobéi. Donc, le fait d'attribuer, de proclamer que l'enfant est désobéissant, même s'il n'était pas désobéissant, il finit par être désobéissant. Donc, mon enfant, il a désobéi, mais il n'est pas désobéissant. Mon enfant, il a eu une mauvaise note à l'école, mais il n'est pas idiot. Vous voyez? Donc, attention à ce qu'on attribue à nos enfants. Parce que des fois, dans notre écart de langage, dans notre désespoir de mère, on est souvent en mode de, ah, vraiment, l'enfant, c'est je suis dépassée. Tellement têtu. Mauvaise proclamation. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, on va continuer. C'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse et je continue. Et je disais que, bah, des fois, effectivement, en tant que mère, on est juste en mode de, oh, mais je comprends pas. L'enfant, il écoute pas. La rébellion. Oh, l'addiction. Est-ce que tu t'es déjà posé, maman? Est-ce que tu t'es déjà posé pour réfléchir? Est-ce que tu es déjà parti devant Dieu et dire à Dieu, papa, l'enfant que tu m'as confié là, je comprends pas.
il y a telle situation, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on fait ça? En fait, on les met en train souvent de se plaindre. Est-ce que tu t'assois et tu réfléchis? Est-ce que tu pars devant Dieu pour réfléchir? Ce soir, tu vas comprendre qu'il est important de s'arrêter. Il faut faire comme Rebecca. Dans la Bible, hein, la Bible nous parle de maman Rebecca. C'est une maman que j'admire. On est dans Genèse 25, versets 22 à 23. La Bible nous dit que bah Rebecca, elle était enceinte. Elle était enceinte. Et puis, dans son ventre-là, il y avait trop de mouvements. Pam, 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 pam. Elle ne comprenait pas. Et la Bible dit, j'aime beaucoup, que Rebecca, un jour, elle alla consulter l'Éternel. Elle se dit ainsi, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Maman Rebecca nous enseigne ici là que s'il y a quelque chose avec ton enfant, la personne que tu dois aller consulter, c'est l'Éternel. Et la Bible dit que lorsqu'elle allait consulter l'Éternel, c'est là où le Seigneur lui a dit, mais en fait, dans ton ventre là, il y a deux. Avant, il n'y avait pas l'échographie, je ne sais pas où je dois l'échographie. Donc, c'est là où le Seigneur l'a dit, mais en fait, dans ton ventre là, les poum 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 que tu entends là, il y a deux enfants, Jacob et Ésaü, et l'aîné sera assujetti au plus petit. C'est là où le Seigneur a commencé à lui révéler. Mais c'est de ce moment-là, ah, vraiment, le ventre, si je ne comprends pas, les enfants, l'enfant, parce que elle savait même pas qu'il y avait deux enfants. L'enfant, si vraiment. Non. Maman Rebecca, elle avait compris. Elle a pris un temps. Elle s'est posée. Et la Bible dit qu'elle est allée consulter l'Éternel. Et ce soir, je veux dire à une mère, peu importe ce que tu vis avec ton enfant, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vois, que tu aimes, que tu n'aimes pas, pose-toi en cette fin d'année. Va consulter le créateur de ton enfant. Va consulter celui qui a mis cet enfant dans tes entrailles. Va consulter celui qui connaît ton enfant mieux que toi. Pose-toi et fais le bilan. Est-ce que tu peux dire, je me pose et je fais le bilan? Amen. C'est ça en fait. Tout ce qui existe, si on veut que le fonctionnement soit optimal, il faut faire le bilan. Ça, c'est la première raison. Il y a un temps pour tout dans les cieux. La Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour marcher la journée, l'année, on monte, on descend. Nous, les mères, en tout cas, on connaît monter, descendre. On est occupé, on s'occupe des enfants. Enfant 1, enfant 2, enfant 3. On aligne comme ça, là, le travail, machin, machin. Et puis, si on est à la maison, nettoyer, machin. Bref, nous, les mères, là, on connaît l'activité. En tout cas, l'activité, là, on connaît. Une mère connaît ce que l'activité. Sauf que à un moment, il faut se poser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être active, etc. Il y a un temps pour se poser et faire le bilan pour son enfant. Amen. La deuxième raison pour laquelle il est important de faire le bilan, maman, c'est parce que Dieu lui-même a fait le bilan. Dieu lui-même a fait le bilan. Au commencement, à la création. La Bible dit, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Et puis à la fin de la journée, il s'est arrêté, il a regardé. Il a dit, il a vu que c'était bien. Non, il a checké un peu. Où est-ce que. Ah, est-ce qu'on voit de quoi il parle? Pardon, on voit de quoi il parle ici. Il a checké, il a dit, c'est bien. Et le jour où Dieu t'a créé, parce que tu as été créé en Genèse 1, 26, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, le conseil de Dieu s'est rassemblé, créons l'homme à notre image, c'est là où tu as été créé. Quand Dieu a créé l'homme là, donc toute l'humanité était cachée en Adam, c'est pas l'objet du live. Hein? Quand nous tous on était en Adam, quand Dieu nous a créé là, et puis il a regardé, il a dit non, ça là. Donc il a checké un peu, il a fait le bilan, comment ça a été, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a dit non, non, c'est très bon, c'est très bon. Si Dieu a fait le bilan, si Dieu a fait le bilan, qui sommes-nous pour ne pas faire le bilan? Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Amen. Dieu il a fait le bilan. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons faire le bilan. Dieu fait le bilan. Et il y a un pasteur de l'église, un pasteur chrétien où je vais, qui dit toujours que le succès, c'est de faire comme Dieu. Donc, Dieu a fait le bilan, je fais le bilan. Et je fais mon bilan, pourquoi je ne vais pas faire le bilan de mon enfant? Qui fait alors le bilan de mon enfant? Parce que c'est vrai, je peux se poser la question. Maman, qui fait le bilan? Toi, tu fais ton bilan. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Hein? Moi-même, je fais, c'est je fais. Et l'enfant? Donc, l'enfant. Parce qu'il faut comprendre une chose, hein, c'est que Dieu nous a donné des enfants, ok? Il nous a confié des enfants pour gestion. Et à la fin, lorsque nous serons devant Dieu, on va rendre des comptes par rapport à comment est-ce qu'on a géré cet enfant. Tu vois de quoi je parle? Donc, moi, en tant que mère, j'ai pas envie de me retrouver là-bas. Les choses que j'aurais pu gérer en faisant mon bilan annuel du Seigneur, est-ce que l'enfant que tu m'as donné là, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que l'enfant que tu m'as donné là, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que pour l'enfant que tu m'as donné là,
ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment ce que toi tu avais prévu. Parce qu'on n'est que des gestionnaires, hein? On va rendre compte. On rendra compte pour nos enfants. Amen. Est-ce que tu peux dire je rendrai compte? On rendra compte pour nos enfants. Donc du coup, moi, j'ai pas envie d'attendre le jour-là, parce que le jour-là sera loin au nom de Jésus. Quand j'aurai à rendre compte là. Et de me dire, mais pourquoi je ne me suis pas arrêtée à chaque fois pour demander à Dieu, good or bad, hein? Bon ou pas bon, c'est comment? Ou comme ça. Tu vois, ça pour t'ajuster aussi. Amen. Voilà, donc il est vraiment important de s'arrêter pour faire le bilan de nos enfants. Ah oui. La troisième raison pour laquelle nous devons faire le bilan, c'est que faire le bilan te permet d'être reconnaissante à Dieu sur ce que Dieu a fait dans la vie de ton enfant, sur ce que ton enfant est devenu, sur ce que ton enfant a obtenu, sur ce que ton enfant a fait. Faire le bilan te permet vraiment d'être reconnaissant, de rendre grâce à Dieu. Parce que des fois, franchement, la nature humaine, hein, c'est même pas seulement les mêmes, tout le monde entier, on a tendance à zoomer sur ce qui ne va pas. On a tendance à zoomer. Donc, quand tu vas t'asseoir, maman, pour faire le bilan de ton enfant, tu vas te rendre compte que ton enfant, c'est un trésor de capacités, de dons et de talents. Tu vas te rendre compte que Dieu a fait beaucoup. Tu vas te rendre compte que même si ton enfant a eu de mauvaises notes à l'école, bah, ton enfant, il est serviable. Ton enfant, il est joyeux. Ton enfant, il est, je sais pas, dites-moi quelque chose. Ton enfant, il a été en bonne santé. En fait, tu vas te rendre compte que, mais en fait, le Seigneur a trop fait. Et on sait que le niveau de ta gratitude détermine ton altitude. Et vous savez, dans la Bible, hein, on est dans le livre de Jacques, de Jean 6, versets 5 à 13, là où il y avait la foule et qu'il fallait nourrir la foule. Jésus a dit, bah, il faut nourrir la foule. Et puis les disciples ont dit, mais on a rien, on a rien, on n'a rien. Et puis, il y avait un petit garçon, on parle toujours de nos enfants. Alors, la Bible regorge de trésors pour nos enfants. Il y avait un petit garçon qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. C'était un petit garçon. Ça pouvait être ton garçon, ça pouvait être mon garçon. Il n'avait que ça. Il n'avait que ça. Et lorsque Jésus a dit, amenez-moi le peu, donc le peu là, je vais le valoriser, je vais rendre grâce. Et lorsque Jésus a rendu grâce avec le peu là, ça s'est multiplié au point où à la fin, il y avait des corbeilles de pain et de poisson qui restaient. Ça nous enseigne que le fait de t'asseoir, faire un bilan, va te permettre de voir clair sur ce que Dieu a déposé dans la vie de ton enfant. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que, comme je le fais depuis 3 ans, je vois vraiment des choses qui sont intrinsèques à mes enfants et qui n'ont pas bougé. Et le fait, justement, je disais à des mamans, j'ai eu des mamans qui m'ont demandé, moi, mon bébé, il est bébé, est-ce que je dois faire le bilan? J'ai dit oui. On n'attend pas que l'enfant soit fait le bilan. Je vous assure. Parce que même si l'enfant est petit, on va le voir tout à l'heure, hein, l'enfant est souriant. Bah, ça se note. Parce que mais les bébés ont des tempéraments. Les bébés ont des caractères. Si, quand tu es une mère, là, même ton bébé, tu vois que ton bébé, ça a du caractère. Hein? Si tu es vraiment une mère observatrice, hein, est-ce qu'on voit de quoi il parle? Tu vois, ça va. L'enfant, si. En tout cas, elle se laisse. En fait, il y a des choses qui se dessinent dès le berceau, en fait. Okay? Donc, vraiment, ça permet de rendre grâce. De rendre grâce. Et au fur et à mesure, en fait, moi, comme je le fais depuis 3 ans, je vois vraiment l'évolution de mes enfants. Et je vois que, avant, il y avait ça. Aujourd'hui, il y a plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on en reparle tout à l'heure. Ouais, mais ça permet vraiment de suivre. C'est pour ça que j'encourage vraiment les mères à le faire au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Au moins. Pour repartir vers Dieu pour dire que bon, j'en suis au niveau de la gestion de l'enfant que tu m'as confié. Faisons un peu le point. Amen. Amen, amen. Et puis ça permet vraiment, ça nous permet aussi derrière de valoriser nos enfants. Comme je disais des fois on ne voit tellement que le mauvais côté que on peut avoir vraiment tendance à vraiment seulement dévaloriser l'enfant. Non, non. Le fait de te faire le faire le bilan et de te rendre compte que ton enfant est un puits de capacité et de qualité, bah, ça te permettra de le valoriser. Là, non, mon fils, c'est pas pour te flatter, mais tu es vraiment intelligent. Tu es vraiment comme ça. Tu as plein de vitalité. Ça te permettra aussi, devant toutes les plantes qu'on donne souvent en longueur de journée, là, de mixer un peu avec de la valorisation. Ouais, non? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Amen. On est toujours ensemble ou pas? Faites-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, faites quelque chose pour me dire que là, est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'on avance bien? Est-ce que ça vous parle? Amen, amen. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, 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 merci. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, une autre raison, la quatrième raison. La quatrième raison pour laquelle il est important
important de faire le bilan de son enfant, c'est que ça nous permet de déterminer les facteurs de succès et d'échec. Ça, c'est un point trop important. Trop. Ça nous permet de déterminer les facteurs de succès et d'échec. Parce que des fois, nos enfants développent des comportements, hein. Toi-même, là, tu es dépassé par l'enfant. Mais comme quand tu fais comme Rebecca et que tu pars consulter l'Éternel, l'Éternel te dit, en fait, c'est tel événement, c'est telle chose qui s'est passée, c'est telle attitude que tu as eue, c'est tel changement qu'il y a eu dans votre famille qui fait en sorte que ça a créé sans lui et qu'il puisse justement changer et se comporter comme ça. Et comme tu as une mère sage à partir de ce soir, tu continues la conversation avec le Seigneur. Et comment on fait alors maintenant? Et c'est là où tu as les stratégies pour gagner ton enfant. Mais si tu t'arrêtes jamais, tu dis, oh, l'enfant, des fois même nous, des fois, franchement, on peut se parler. Des fois, les facteurs d'échec, même des choses qui arrivent, c'est nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, nous sommes des fois des occasions de chute pour nos enfants. Nous-mêmes, par notre comportement, par notre ignorance, par nos défaillances, des fois, c'est nous-mêmes. Donc, il est tellement important de faire le bilan de son enfant parce que ça nous permet en tant que mère de nous réajuster. Ça nous permet en tant que mère de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il y a des, quels sont les facteurs du succès? Ok, ça, on va le voir tout à l'heure, hein, avec des exemples pratiques. Ça a réussi. Ok, est-ce qu'il y a eu, quels sont les, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ça n'a pas marché. Il y a tel comportement, il y a telle situation, il y a tel caractère qui est apparu. Quels sont les facteurs d'échec? Qu'est-ce qui a joué? Est-ce qu'il y a des choses? Franchement, ça permet d'aller en profondeur. On veut peut-être des mères. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je prends trop au sérieux. Bon, après, on me dira, c'est mon appel. Mais je prends trop au sérieux ma responsabilité de mère. Bon, on me dira, on me dit toujours, mais parce que c'est ton appel, je t'ai appelé pour ça. Ok, soit. Mais justement, je veux attirer avec moi une armée de mères qui prennent au sérieux leur rôle de mère. Ça, c'est ma mission. Je veux lever une génération de mères qui sont intentionnelles. Intentionnelles dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Intentionnel dans la prière, intentionnel dans les astuces, les clés, intentionnel pour chercher Dieu pour nos enfants. Parce que demain, quand j'aurai à rendre compte, j'ai envie que Dieu me dise, yes, maman, non, tu es une vraie mère. Je sais pas, je crois que tu as aussi envie, hein, parce que si tu t'es connecté à ce Zoom, si tu t'es connecté sur Instagram pour ce live, c'est parce que tu as envie qu'à la fin de tes jours, lorsque tu te retrouveras devant le tribunal de Dieu, que Dieu puisse te dire, yes, maman Alison, yes, maman Karine, yes, maman Audrey, yes, maman Ruffy, yes, maman Rebecca, yes, maman Sena, yes, maman Melissa, yes, maman Leila, yes, maman. Je crois que tu veux qu'à la fin, le Seigneur te dise aussi, yes. Tu as bien fait ça. Tu as bien fait ça. Amen. Amen. Ben c'est ça, justement. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'analyser. Il faut prendre le temps de regarder, de se poser. Vraiment. Franchement, une fois par an au moins, ce n'est pas trop demandé. OK? Voilà. Et ce travail, vraiment, il est super important. Je vais nous raconter l'anecdote, justement, l'histoire d'une sœur. En fait, elle a un enfant. Elle avait un enfant. Bon, c'est tout son enfant. Elle a un enfant, en fait, qui. Très vite, elle a commencé à développer un comportement un peu particulier. C'est-à-dire que l'enfant était toujours en mode personne ne m'aime, tout le monde me rejette. Mais c'est ça surgit vraiment à l'âge de ses 9 ans, 10 ans. Hein. Tout le monde me rejette, personne ne m'aime, j'ai pas d'amis, je ne sers à rien, à l'école c'est machin, personne n'est mon ami. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et maman, dévastée, donc on en parlait un jour. Et puis, j'ai dit, mais ça vient forcément de quelque part. Ça vient forcément de quelque part. Il faudrait se placer devant Dieu et demander. Parce que des fois, on va le voir tout à l'heure, des fois, il y a des déclencheurs. Des fois, ça peut être une mauvaise connexion. Des fois, ça peut être un changement dans la famille. Des fois, ça peut être une mauvaise compagnie. Des fois, ça peut être une réclamation familiale. Donc, un peu comme si c'est le moment où il y a des paroles qui ont été proférées et puis. C'est à ce moment-là que ça avait été acté dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on doit aussi trop prier. Bon, ça, on arrive. OK? Ça peut être un deuil. Ça peut être une séparation. Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Et donc, du coup, pour elle, dans ce cas, en fait, le Seigneur, non, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Et chaque fois qu'une mère invoque Dieu pour son enfant, Dieu répond. Mais ce n'est pas dans le point si j'arrive, dans l'autre point. Laissez-moi terminer mon année d'autre. Parce que là, ça me prend déjà dans les tripes. Donc,
Donc, quand elle a donc consulté l'Éternel comme Rebecca, quand elle a consulté l'Éternel comme Rebecca qu'on a vu tout à l'heure, le Seigneur lui a rappelé. Le Seigneur lui a rappelé que quand elle était enceinte, elle a beaucoup, beaucoup pleuré sur cet enfant. En fait, cet enfant était arrivé à un moment de sa vie où ce n'était pas, elle était, cet enfant n'était pas forcément planifié à ce moment-là. Ok, on voit, non? Cet enfant n'est pas forcément planifié à ce moment-là. Et quand donc, elle a appris qu'elle était enceinte pendant toute la grossesse, elle a beaucoup pleuré. C'était très difficile. Et on sait très bien que en tant que mère, lorsqu'on est enceinte, et ça c'est encore, si j'entre là-bas, là, c'est un autre sujet là. Si on commence les femmes enceintes là, je crois que le live n'est pas fini. Je vais entrer, mais pas trop. Et ça nous montre à quel point, en tant que femme enceinte, non, on doit trop faire attention. Vraiment, je sensibilise parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, vous avez peut-être un, deux enfants, ou souhaitez encore avoir des enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis dans mon cœur l'école de la sérénité. L'école de la sérénité, c'est l'école, la première école pour l'accompagnement spirituel des femmes enceintes. Vous êtes déjà trop accompagnées par les sages-femmes. On vous explique, le bébé fait comme ça. Ici, il y a le pied qui est venu à la semaine. Si tu dois faire le test de ça, ok, c'est très bien, ça c'est naturel. Mais spirituellement, il y a des enjeux qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que le Seigneur a inspiré dans mon cœur l'école de la sérénité pour enseigner les mères. Quand, à partir du moment où tu portes un enfant dans tes entrailles, il y a des choses que tu, ça doit s'arrêter. Et à l'école de la sérénité, justement, l'idée c'est parce que la destinée de, les bases de la destinée de ton enfant se posent quand il est dans tes entrailles. Pardon, s'il y a une maman aussi qui est enceinte, si tu connais quelqu'une maman qui est enceinte, si tu veux être enceinte un jour, école de la sérénité, vraiment, parce que là-bas, là, c'est là où on voit tout ça en profondeur. Les femmes de l'école de la sérénité, ah, les héritages, machin, on a refusé ça au nom de Jésus. Les femmes enceintes sont trop précieuses. Elles ont besoin d'être accompagnées, mais pas que naturellement. Spirituellement, parce que tout ce qui est spirituel précède le naturel. Donc spirituellement, elles ont trop besoin d'être accompagnées. Je ferme la parenthèse de mon école de la sérénité et je reviens à nous. Ce qui se passe, c'est que donc le Seigneur lui rappelle donc ça. Que mais en fait, donc du coup, dès les entrailles, dès le bas âge, en fait, l'enfant avait des prédispositions au rejet, des prédispositions à l'abandon, des prédispositions. Donc, du coup, l'enfant est né, l'enfant est né, l'enfant est né, ok, très bien. L'enfant a grandi, mais il y avait déjà les pré. Vous avez. Hey, Seigneur, comment je vais dire ça? Nos enfants là, ce qui est en eux là, des fois on ne sait pas. On a vécu des choses, on vit des choses. On ne sait pas ce qui est semé en eux. C'est pour ça qu'en tant que mère, on doit trop invoquer le Dieu qui révèle les choses cachées. On doit trop prier le Dieu des esprits de toute chair. On doit trop prier le Dieu qui connaît les choses enfouies. On doit trop prier. Donc, c'était ça, en fait, qui était enfoui en elle. Et bah, du coup, ça s'est sorti comme ça d'un coup. Et l'enfant, tout de suite. Et sauf qu'on se dit, tout de suite, ok, tout de suite. Mais. C'est quelque chose qui était déjà là. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu révèle les choses cachées. Et du coup, elle a demandé au Seigneur, mais quelle est donc la stratégie? Comment je peux faire pour aider mon enfant? Déjà, je te demande pardon, vraiment, mais comment je peux faire pour l'aider? Parce que là, c'est pas bon. Et le Seigneur lui a révélé la stratégie que je vous révélerai pas parce que ça concerne son enfant. C'est pas forcément la même stratégie pour vous. C'est tout ça pour dire que quand tu prends le temps de faire le bilan, de regarder. Et une fois de plus, le bilan se fait avec Dieu. Le bilan ne se fait pas. C'est pas genre je vais faire le bilan. Non, ça se fait avec Dieu, c'est sérieux. À partir du moment où tu prends le temps de faire le bilan et que tu examines les facteurs à succès, qu'est-ce que tu poses des questions à Dieu? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu occasionner? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir, que tu dois me révéler? Dieu te révèle et Dieu te donne la stratégie justement pour aider ton enfant. S'il y a des choses que tu dois déraciner, Dieu va te donner la stratégie pour déraciner. S'il y a des choses que tu dois faire des actions à poser, Dieu va te donner la stratégie pour poser ces actions. Parce qu'aucun fabricant ne crée quelque chose pour que cette chose ne réussissent pas. Si Dieu a créé nos enfants, c'est parce que Dieu veut que nos enfants réussissent selon sa volonté. C'est parce que Dieu a un projet pour eux. Donc quand tu repars vers Dieu pour dire que, bon, je trouve qu'il y a une pièce défaillante là, comment est-ce qu'on va faire? Dieu va répondre parce que Dieu aime, Dieu veut que nos enfants réussissent. Amen. Donc c'est ça. Faire le bilan te permet de comprendre vraiment les facteurs à succès. Et en tant que mère, c'est parce que ça nous permet vraiment de nous ajuster, ça nous permet de nous réajuster. Amen. Donc, c'est les 4 points que je voulais partager avec vous. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est toujours. On suit? On suit, on suit?
Ok, bah super. Donc on a vu les 4 points. Maintenant, on va voir comment on a défini, pour celles qui rejoignent, on a défini c'est quoi faire le bilan de son enfant. On a vu 4 points. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire le bilan de son enfant? Maintenant, on va voir concrètement comment y arriver. Et c'est là où je vais faire les partages d'écran un peu plus tard sur Zoom. Hein. Donc, il y a besoin que ce soit sur Instagram. Désolée, vous n'allez peut-être pas voir, hein, mais peut-être en écoutant. Mais dans la story, j'ai mis le lien Zoom. Hein, vous pouvez toujours rejoindre Zoom pour les personnes qui le peuvent. Alors, comment y arriver concrètement? Comme j'ai dit depuis le début, en fait, le bilan se fait avec Dieu. Donc, il faut déjà disposer un temps à part. Il faut prendre un temps à part. C'est la première étape. Se dire que je vais prendre un temps à part. Vous savez, des fois, lorsqu'on nous encourage à faire le bilan, on nous encourage à prendre une retraite, à se mettre à part. Mais je sais qu'en tant que mère, c'est difficile. C'est difficile quand tu as des responsabilités, quand tu as des enfants, quand tu as un mari, quand tu as une maison, quand tu as... Bref. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas évident de se couper forcément complètement. Est-ce qu'on peut désactiver fermer le micro, s'il vous plaît, sur Zoom? Donc c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Est-ce que ma Cordy peut fermer les micros ouverts, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va avancer. Alors, maman dit, je ne trouve pas le lien Zoom. C'est en story. J'ai mis en story tout à l'heure. Et puis, pour celles qui se sont inscrites, parce que du coup, il y a des personnes qui se sont inscrites au lien Zoom et qui ont reçu un mail dans la journée. Regardez les spams, checker. Le lien Zoom se trouve en story. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a mis, hein, bon, par quoi, qui se l'a remis. Là, dans le chat et puis en story. Voilà. Bon, je laisse ma cordie gérer, je laisse mes filles gérer. OK. Donc, comme je disais, il faut déjà prendre un temps à part. Et comme je disais, en tant que mère, c'est des fois difficile de prendre une retraite, aller dans un hôtel, s'éclipser, chercher Dieu. C'est pas forcément évident. Moi, ce que je fais, c'est que je consacre mes soirées. C'est-à-dire que je couche les enfants. Quand les enfants sont couchés, je me dis, j'ai 2 heures de temps. J'ai 2 heures. Chaque soir, peut-être pendant une semaine, j'ai 2 heures que je mets à part pour travailler pour le bilan de mes enfants avec Dieu. Personnellement, c'est comme ça que je fais mes retraites. En attendant que ma saison change. Parce que si tu regardes la saison d'avant, tu peux être frustré en mode, ah, avant, je pouvais me retirer et tout ça. Non, tu n'es plus avant, tu es dans la nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu veut faire avec et Dieu veut te parler. Donc, il faut toujours trouver des alternatives à la vie de mère. Et puis, quand les enfants seront beaucoup plus grands, machin, oui, là, tu pourras t'éclipser à nouveau. Mais en attendant, moi, c'est ce que je fais. Je prends vraiment des créneaux, 2 heures de temps, genre de 21h à 23h. Je ferme tout. Je suis là dans la présence de Dieu. Je suis venue avec mon enfant, Seigneur, ce soir. Je suis venue te présenter mon enfant. Je suis venue te parler de mon enfant. Je suis venue faire le bilan, toi qui m'as donné cet enfant. Je suis venue checker, est-ce que cette année-ci-là, on a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que cette année-ci-là, ça a été comme ça devait être? Est-ce que cette année-ci-là, est-ce que? OK? Donc voilà, déjà, prendre du temps, très important. Planifier du temps à part. Et vraiment, je nous encourage, hein. Vraiment, avant la fin de cette année, je vois plein de mères connectées, on est plus de 50. Il faut vraiment que nous puissions nous engager à prendre du temps à part pour nos enfants. C'est vraiment tellement important. OK, la deuxième partie, la deuxième chose à faire, c'est avant de commencer, vraiment prendre le temps de prier. Je le redis encore parce qu'il est important que je le dise. Il est important que je le dise. Il y a un souci avec Zoom. Il y a un souci avec mon Zoom. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Oui. Ok. Ok, super. Je vais juste. Je comprends pas. Comme quoi, tout ce qu'on fait est spirituel, hein, il faut vraiment prier. Hein. Mon Zoom, il n'a jamais fait ça. Bon, ok, très bien, on va continuer. Donc, prendre le temps de vraiment de recommander ce moment, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, toujours, 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 avant de commencer à faire quoi que ce soit, demander à Dieu, inviter vraiment le Seigneur à prendre le contrôle, inviter le Saint-Esprit, inviter le Dieu qui vous a donné ces enfants-là, inviter le Dieu qui a mis ces enfants dans notre matrice, inviter vraiment, ok? Donc ça, c'est vraiment très important. Ça ne sert à rien de faire sans Dieu. Parce qu'il faut qu'on comprenne, hein, lorsqu'on parle d'une année réussie, qu'est-ce qu'une année réussie pour nos enfants?
C'est une année où la volonté de Dieu s'est accomplie pour nos enfants. Parce qu'il faut comprendre, réussir selon qui? Parce que mon enfant, il était en bonne santé, mon enfant, il allait à l'école, mon enfant, il a bien travaillé à l'école, donc l'année est réussie. Ah bon? C'est ce que Dieu... Bon, si Dieu t'a dit que ça, là, ça valide l'année selon Dieu, c'est que ton année est réussie. Mais moi, je sais que ma définition d'une année réussie, c'est une année où la volonté de Dieu pour mon enfant s'est accomplie. Amen. On est d'accord avec ça ou pas? C'est ça ma définition d'une année réussie. C'est pas genre, il a... Ok, c'est bien, hein, je veux dire, oui, personne ne souhaite que son enfant soit malade, il a été en bonne santé, justement, ça va faire partie des points à checker. Mais pour moi, c'est pas le summum d'une année réussie. Pour moi, une année réussie, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants, c'est une année où la volonté de Dieu a été accomplie. Voilà. Pour moi, c'est ça une année réussie. Parce que moi, ma réussite, c'est ma réussite selon Dieu, c'est pas selon mes critères. C'est selon celui qui a fabriqué mon enfant, ce qu'il avait prévu. Est-ce que à l'année en 2023, dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu, parce que la Bible dit que il y a dans Dieu, Dieu a un livre sur lequel il avait inscrit tous les jours qui nous restaient à vivre avant qu'aucun d'eux n'existât, dans le psaume 139. Est-ce que dans le livre là, au niveau de la page de l'année 2023, pour ma vie, pour la vie de chacun de mes enfants, est-ce que tout ce que le Seigneur avait prévu, est-ce que ça a été manifesté? Est-ce que ça a été implémenté? Est-ce que ça a été mis en pratique? C'est ça qui garantit, c'est ça pour moi le succès. Si ça a été mis en pratique, c'est que je dis que l'année de mon enfant a réussi. Si ça n'a pas été mis en pratique, ça veut dire que ça n'a pas réussi. Et que ça réussira par la grâce de Dieu parce que je vais changer de trajectoire avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, du coup, quand on fait... Quand on fait ce bilan-là aussi, il faut prendre avec soi de quoi noter. Moi, j'ai mon cahier. J'ai le cahier de mes enfants. C'est ce cahier-là. Je pense qu'on l'a déjà vu un peu partout. Je le publie souvent. Ce cahier-là, c'est le cahier vraiment à l'intérieur. Je mets vraiment tout ce qui concerne mes enfants. C'est mon cahier d'enfants avec Dieu. Et il est aussi important de prendre un calendrier ou un agenda de votre téléphone, comme vous voulez. Ça vous permet de... On va voir de noter des choses à faire, des trucs à planifier rapidement. Et le fait de prendre un cahier, c'est aussi une manière de dire à Dieu, je m'attends à ce que tu me parles. Je m'attends à ce que tu me révèles. Je m'attends à ce que tu te révèles à moi pour mes enfants. Ok? C'est vraiment très important. Ok. Très, très bien. Donc, je vais vous partager maintenant le tableau. Le tableau du bilan. Désolée sur Insta. Je vais vous partager le tableau du bilan. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez ouvrir le micro juste pour me Oui. dire si vous voyez. Voilà. Ok. Donc, là, on a le tableau du bilan. Alors, je l'ai créé en tableau pour que ce soit plus facile pour vous, hein, pour que je puisse vous transmettre, pour que vous puissiez comprendre. Mais bon, comme je disais, moi, je fais dans mon cahier. Donc, dans mon cahier, ce n'est pas ce tableau-là. Mais c'est ce tableau-là, ce sont mes notes de mon cahier que j'ai retranscrit dans le tableau. Donc, c'est la même chose. Alors, ce tableau, on va voir ensemble. Donc, dans ce tableau, il y a plusieurs colonnes. Il y a les différents domaines de la vie de notre enfant que vous voyez là. On va prendre des exemples, hein, pour qu'on puisse comprendre. Il y a quels sont les bons résultats qu'on a obtenus en 2023? Quelles sont les habitudes et les attitudes mises en place qui ont aidé? Comme je disais, les facteurs à succès. OK? Et à reproduire en 2024. Parce que ce qui a marché, bah forcément, il faut continuer. Sur Insta, on ne voit pas. Bah oui, sur Insta, on ne peut pas faire le partage d'écran. C'est ce que j'ai dit, je l'ai dit depuis longtemps quand j'ai annoncé le live. Alors, du coup, sur ce tableau, la deuxième colonne là que vous voyez, les habitudes, les aptitudes qui ont permis, donc voilà, facteurs à succès et à reproduire en 2024. Le sujet de prière. C'est pour ça que je vous ai dit en début de live que bah, vous n'avez plus jamais manqué de sujet de prière, hein, vraiment pour nos enfants. Donc les sujets de prière liés aux bons résultats obtenus. Ensuite, les mauvais résultats obtenus en 2023. Les habitudes. Et les attitudes qui ont permis d'obtenir ces résultats à bannir en 2024. Donc, les attitudes qui ont les facteurs à échec, les facteurs d'échec, si on va dire ça comme ça, les points à améliorer, les points à travailler. OK? Donc, c'est à bannir. Les sujets de prière par rapport aux mauvais résultats obtenus en 2023. Quels sont les sujets de prière justement que je dois mettre? Qu'est-ce qui doit. Donc, quand je prie pour mon enfant, je prie pour quoi? Une fois de plus, ça permet d'être précis, ça permet d'être profond dans la prière pour les enfants parce qu'on prend le temps de connaître l'enfant et de voir quels sont du coup ses challenges. OK?
Et la dernière colonne, alors pourquoi dans mon truc je ne vois pas, c'est le bilan des habitudes qui doivent m'accompagner en 2020, en 2024 du coup. Donc étant donné que on a fait le point, et qu'on a vu le bon et le mauvais, maintenant, quelle est la liste des attitudes qui doivent m'accompagner en 2024? Ok? C'est toujours bon, on continue? Donc on va maintenant prendre des exemples. Donc dans les domaines de la vie de l'enfant, il y a plusieurs domaines à adapter en fonction de l'âge de l'enfant, à adapter en fonction de la situation de l'enfant, vraiment à adapter. C'est vraiment un truc, vous connaissez votre enfant, ok? Et pour les enfants qui sont bébés, il est bon de se demander quelles sont les valeurs que je veux lui inculquer sur tous ces domaines-là. Ok? Parce que voilà, mon enfant, il est bébé, il vient de naître. Ok, j'entends qu'il faudrait faire le bilan, mais je n'ai pas encore les éléments. Toi, maman, qui a un enfant qui est tout bébé, commence déjà à réfléchir. Quelles sont les habitudes? Quelles sont les choses que je dois mettre en place pour que, quelles sont les valeurs que je veux inculquer à mon enfant pour avoir de bons résultats déjà lorsqu'il grandira? Par rapport à tous ces domaines, domaine spirituel, domaine du caractère, domaine physique, bon, on va détailler. Mais vraiment, pour les enfants qui ont les mamans qui ont des bébés, c'est vraiment les questions à se poser. Alors, maintenant, en fonction de l'âge de l'enfant, sur le plan spirituel, il y a plusieurs choses. Est-ce que l'enfant prie? Est-ce que l'enfant prie? Est-ce que l'enfant médite, la louange, l'adoration, il aime chanter? Est-ce que l'enfant sert Dieu? Ça concerne les bébés, les enfants, les ados, bref, chaque maman personnalise. Est-ce que l'enfant justement aime aller à l'église? Est-ce que l'enfant appartient à un groupe de jeunes chrétiens? Est-ce que l'enfant, tout ce qui est spirituel, est-ce que l'enfant, voilà, se poser les bonnes questions. Alors moi, j'ai mis une ligne là, j'ai pris un exemple de ma fille. J'ai un de mes enfants, elle aime conduire la prière. Voilà, ça, vous voyez, ça n'a l'air de. En fait, elle, dès que tu vas dire qui prie, elle va te dire moi. Ouais, non. Donc elle, là, dès que tu dis qui prie, elle va te dire. Elle va te dire, moi, il prie. Voilà. Et c'est une qualité. Parce que c'est pas tous les enfants. Des fois, les enfants disent, non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est maman. Non, c'est papa. Non, elle va te dire, c'est moi. OK? Donc, par exemple, bon résultat obtenu en 2023. J'ai mis, elle me conduit à la prière. Actes et habitudes et attitudes qui ont aidé à cela. J'ai mis mise en place des temps de prière récurrents à la maison. OK? Parce qu'elle n'a pas. Enfin, on prie. En tout cas, moi, je prie. Hein. Donc, vraiment, le fait de mettre en place des temps de prière là, voilà. Sujet de prière, rendre grâce à Dieu pour ce cœur qu'elle a pour prier. Vous voyez? Donc quand je rends grâce pour mes enfants, je rends grâce avec précision. Parce que j'ai pris le temps de me poser et de regarder l'enfant et de voir qu'est-ce qui se démarque du lot et de voir quelle est la valeur. C'est comme ça qu'on découvre la destinée de l'enfant. C'est ce que je disais dans un post précédent. En fait, à force de faire ça, tu te rends compte que au fil des années, en fait, il y a des évidences de ce que. Mais en fait, cette ligne, elle demeure. Et puis, ça s'intensifie même. Le Seigneur nous parle beaucoup. Parce que des fois, on dit, Seigneur, révèle-moi, dessine mon enfant. Seigneur, révèle-moi. Ok, c'est bien beau. Ok. Mais des fois, rien que le fait de se poser comme ça et prendre le temps avec Dieu de parler de l'enfant, parlons un peu de mon enfant, ça te permet, le Seigneur t'ouvre les yeux sur tellement de choses par rapport à ton enfant. Ok? Donc, sujet de prière, rendre grâce à Dieu pour le cœur qu'elle a de prier. Mauvais résultat obtenu en 2023. J'ai mis distraction dans la prière. Parce que quand tu dis souvent prier là, l'autre chante ici là, l'autre danse, c'est là où l'autre veut commencer. Bon, je sais pas, ça dépend, je pense que ça dépend de l'âge. Hein. Pour les mères qui ont des enfants en bas âge, je pense que vous comprenez de quoi elle parle. Hein. Donc vraiment, distraction. Voilà, donc j'ai mis, ça c'est pour améliorer. Ok? Donc actes et habitudes qui m'ont permis d'obtenir ces résultats. J'ai mis, c'est le fait que je me sois dit, en fait, personnellement, ça c'est moi, je vous partage en transparence, moi, hein, par rapport à ce que moi j'ai fait. Je vous ai mis quelques lignes, hein, bien sûr, je n'ai pas mis tout. C'est le fait que je me sois dit au début que bon, c'est un enfant, ben non, c'est un enfant, il faut laisser, vous voyez? Donc ça là, quand j'étais dans le lieu secret en train de réfléchir par rapport à ça, et le Seigneur m'a dit, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dès le départ, tu apprends aussi le sérieux à l'enfant dans la prière. Tu apprends aussi que ben, quand on prie, on parle à Dieu et c'est sérieux, c'est un temps d'amour, un temps de cœur à cœur. Regarde, quand je suis avec toi, est-ce que. Bon, moi, j'étais en mode, oh, c'est des enfants, ça va passer. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est un point à améliorer. D'accord? Pour 2024. Et sujet de prière, vraiment, j'ai mis à côté ben, que le Seigneur remonte en elle cette soif des choses de Dieu, ce désir de chercher Dieu, cette envie de toujours prier, cette volonté de toujours. Voilà, tu mets le sujet de prière en fonction de ton enfant. Ok? Et le bilan des attitudes qui doivent m'accompagner en 2024. Donc j'ai mis garder les temps de prière à la maison, l'encourager chaque fois
qu'elle se propose, parce que des fois, du coup, bon, on sait que... On sait bien qu'elle m'a dit qu'elle va prier. Donc, du coup, c'est devenu une évidence. Sauf que non, le Seigneur m'a dit. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas, c'est vraiment les choses qui, dans le cœur à cœur avec le Seigneur, qui sont montées en moi. Hein. Donc, c'est pas, c'est pour ça que je dis que le bilan de ça ne se fait pas, ça ne se fait pas juste bon. Ça se fait avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vraiment vous inspirer. Amen. Serait-il possible d'avoir ce document? Oui, il est possible. Il faut que je vois comment c'est prévu de le mettre à disposition. Je ne sais pas encore comment on va voir avec le staff. Mais soit par mail, je vais envoyer de toute façon, je vais envoyer par mail ce soir avant de dormir. Dès que le live se termine, je renvoie le document par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites au live et qui sont connectées à la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Après, je verrai comment le faire autrement. Je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr, ce soir avant de dormir, toutes les personnes connectées à ma newsletter auront le document. D'accord? Donc le bilan des attitudes, des habitudes pour m'accompagner. Donc j'ai mis garder les temps de prière à la maison, l'encourager quand elle propose de prier. Lancer un défi concentration. Lancer un défi Viens, je concentration. vais te laver. Est-ce qu'on peut fermer le micro, s'il vous plaît? Donc, j'ai eu à cœur de lancer un défi. Donc, maintenant là, j'ai cet esprit de la stratégie en temps. Donc, lancer un défi concentration. Donc, là, on va prier, mais la personne qui reste concentrée, qui reste appliquée, on va faire quelque chose. Donc, il y a un défi qui va être lancé. Mais ça là, si tu ne vas pas en profondeur, si tu ne t'assois pas devant Dieu, comment tu vas faire pour trouver ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop important, c'est trop important. Donc ça, c'est donc par rapport à l'aspect spirituel de votre enfant, vous allez mettre, vous connaissez votre enfant. Donc moi, j'ai juste mis une ligne, hein, mais dans le spirituel, il y a plusieurs, la louange et l'adoration. Bref, est-ce que ton enfant aime louer? Est-ce que ton enfant aime prier? Est-ce que ton enfant aime danser? Est-ce que ton enfant va à l'église? Est-ce qu'il est motivé quand il va à l'église? Des fois, on pense que c'est un acquis. Si tu as un ado, il va à l'église comme ça, là, ou bien un enfant, il va à l'église comme ça, tranquille. Tu penses que non, dimanche on y va. Tu sais pas qu'il y en a qui rament, il y a des parents qui rament. Mais ils doivent se lever le matin. Non, j'ai pas envie. Ils doivent tirer, traîner les pieds. Non. Vraiment faire le Moi, je bilan, comprends ça nous l'inverse. permet vraiment de. Maman, on t'entend plus. On t'entend plus. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok. C'est bon le partage? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, faire le bilan permet vraiment d'aller en profondeur. Et le Saint-Esprit va vous donner des inspirations et des idées adaptées à votre enfant. Alors, on part par exemple sur l'onglet du caractère. Le caractère, il y a est-ce que l'enfant est obéissant? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il dit la vérité? Il y a des enfants, ils vont dire la vérité. Hein. Donc, qui a cassé ça? Il va seulement dire, c'est moi. Maman, c'est pas naquier. Il y a des enfants. La Bible dit, la folie attachée au cœur de l'enfant. Il y a des enfants. Tu vas poser la question même 5 fois. Des fois, même, tu l'as vu. Hein. Tu l'as vu. Tu as vu, donc tu faisais comme si tu ne voyais pas. Tu as vu, dès que tu dis qu'elle fait ça et tout. Pas maman. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Donc si tu as un enfant qui dit la vérité, c'est une grâce. Et puis aussi des enfants à qui Dieu a fait grâce. Hein? Qui a cassé le verre? Il va seulement dire c'est moi. Qui a fait ceci? Il va seulement dire c'est moi. Donc, ça là, il faut noter. Il faut encourager. Il faut prier sur ça pour arroser ça. Et toutes les qualités que vous notez sur vos enfants, tous les points positifs, ah, au-delà de rendre grâce à Dieu, sceller ça, priez que ça aille seulement en s'intensifiant, priez que le Seigneur augmente seulement dans la vie de nos enfants. Eh, non. Donc, au niveau du caractère, j'ai pris un exemple serviable. J'ai un enfant qui est très serviable. Donc, qui met la table? Moi. Qui fait ceci? Qui range les jouets? Voilà. Donc, serviable. Et ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Et quels ont été les facteurs à succès? Très important. C'est que j'ai noté que moi-même, je suis serviable. Pam, je me débrouille pas mal. Moi-même, je suis serviable. Et surtout, je prends plaisir à servir. Je prends plaisir à les servir. Je prends plaisir, en fait. Donc, du coup, je pense que, parce que des fois, ce qu'on est au quotidien est transmis à nos enfants. Ça, c'est une évidence. Et le pasteur Yvan Castano, qui est le pasteur de l'église où je vais, dit souvent que on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Donc voilà, en fonction des lignes, sujet de prière, une fois de plus, rendre grâce à Dieu et prier vraiment que ça s'intensifie. Alors, mauvais résultat obtenu en 2023. Ça, j'ai mis, ça c'est vraiment d'autres mauvais résultats. Bon, j'ai mis d'autres choses. J'ai mis agressivité, ça c'est l'exemple. J'ai mis agressivité, colère. Peut-être qu'en 2023, tu as remarqué que ton enfant il est devenu agressif, colérique. Non, machin, non, 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 non. Quels sont les actes, les habitudes, les attitudes qui t'ont permis d'obtenir ces résultats? Il y a plusieurs exemples. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être un changement d'école, ça peut être un déménagement. Des fois, c'est pas grand, c'est pas forcément. Parce que oui, quand je dis divorce, on peut croire que c'est grand. Des fois, c'est un déménagement. Des fois, c'est
des mauvaises fréquentations qui ont eu un impact sur l'enfant. OK? Ça peut être un changement d'école. Donc l'enfant, il aimait, c'est son école, il était bien, et puis vous avez changé d'école, et puis bon, l'enfant, il a pas bien géré ça intérieurement. Parce que nos enfants, nous-mêmes, là, on ne gère pas bien nos émotions des fois. Toi-même, maman, tu sais que des fois, même tes émotions, toi-même, tu n'arrives pas. Ah, quand même, pour faire des enfants, un enfant. OK? Donc des fois, devant les situations, devant les changements de nos vies, ben, nos enfants, ils n'arrivent pas forcément à bien gérer leurs émotions, et ça crée des traits, ça crée des comportements, ça crée des caractères, et on est étonné, et on est seulement étonné en train de dire que l'enfant, si je ne comprends pas ses colères, je ne comprends pas, il est un peu devenu agressif. Pas un peu devant Dieu, demander à celui qui a fabriqué ton enfant, à celui qui a créé ton enfant, bon, l'enfant, s'il est devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va te dire, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Amen. Donc, sujet de prière, justement, quand tu as repéré cet endroit-là, les mauvais résultats par rapport à son caractère, qu'est-ce que tu pries? Prier, par exemple, j'ai mis ici la prière, par exemple, que Dieu apaise le cœur de l'enfant par rapport à la colère due à la séparation des parents. Prier que Dieu aide, que Dieu t'aide en tant que mère, parce que les points à succès, les facteurs à succès et à échec, cela permettent de s'ajuster en tant que parent, en tant que mère, du coup. Prier que Dieu t'aide à lui démontrer plus d'amour et qu'il puisse le recevoir. Prier, bref. Vous voyez ce que je pense qu'on a compris un peu. En fait, ça te permet d'aller vraiment en profondeur. D'aller en profondeur. Est-ce que tu peux dire les profondeurs par rapport à ton enfant? Et le bilan des actions qui doivent m'accompagner. Alors, j'ai mis serviabilité, continuer sur serviabilité. Voilà, j'ai mixé avec tout ce qui est colère, agressivité. Par exemple, planifier les temps juste avec mon enfant. Ça se planifie. Les temps juste avec mon. Si tu sens que ton enfant, si quand tu fais ton bilan, le Seigneur te révèle que l'enfant a besoin d'amour, ou bien l'enfant a un déficit d'amour, ou bien que tu es trop occupé, que tu ne t'occupes plus des enfants, et que toutes les colères, c'est seulement pour attirer ton attention. Que le Seigneur veut attirer ton attention, parce que l'enfant ne te voit pas. Et tout ce que l'enfant veut, c'est l'attention de sa maman. Donc quand le Seigneur va te révéler ça, dans la liste, le bilan des bonnes habitudes qui doivent t'accompagner en 2024, là, tu dois noter les temps de cœur à cœur, les temps où tu vas remplir le réservoir émotionnel de ton enfant. Parce que oui, des fois, c'est juste ça. Hein. Des fois, nos enfants réagissent parce que, bon, je vois pas ma mère, tu as changé d'emploi, tu es machin, tu es occupé, carriériste, etc., etc. L'enfant réagit juste pour attirer ton attention, parce que bah, il a besoin de sa maman, bien sûr. Donc, quand tu vas dans le lieu secret, avec ton calendrier, ça te permet justement de... C'est incroyable ce qui se passe. Oh mon Dieu, on doit prier, hein, parce que sur Zoom, là, ça ne fait que se couper. Et ça revient, ça se coupe, ça revient. Waouh, Saint-Esprit. Oh là là, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça montre à quel point c'est important et ça montre à quel point ça tient au cœur de Dieu. Hein. L'ennemi a échoué au nom de Jésus, vraiment. Donc là, j'essaie de me reconnecter sur Zoom. Sur Instagram, donnez-moi une minute, j'essaie juste de me reconnecter. J'ai perdu la connexion. Recording in progress. Est-ce que l'équipe peut vraiment intercéder, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre en prière? C'est pas normal. C'est bon, on t'entend maman, on t'entend maintenant. Ok. Est-ce qu'avec le staff, on peut prier en langue, s'il vous plaît? Le staff derrière, c'est juste pas normal ce qui se passe. Mais on va aller jusqu'au bout au nom de Jésus. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Nos enfants, la vie de nos enfants vont changer. On n'est plus les mères qu'on était avant. Là, c'est une nouvelle génération de mères qui ont décidé d'investir intentionnellement pour la vie de leur enfant. Et l'ennemi ne peut pas empêcher ça. Le mouvement, il est en marche. Satan n'avait qu'à venir avant que Jésus ne soit crucifié. Hein. S'il est venu après, là, ça veut dire qu'il a déjà échoué. Amen. Donc, on n'est pas déstabilisé. On continue. On va y arriver. Amen. Alors, les autres domaines de sa vie, sur le plan physique, par exemple, est-ce que durant cette année, ton enfant a une bonne vitalité? Est-ce qu'il a été en bonne santé? Est-ce qu'il a une bonne croissance? Voilà, physiquement, comment est-ce que ça a été cette année? C'est important de se noter. Ou bien, et mauvais résultats obtenus, par exemple, est-ce qu'il a été tout le temps malade? Est-ce que tu as fait tout le temps des urgences? Quels ont été les facteurs déclencheurs, les facteurs à succès? Par exemple, pour la santé, quels ont été les facteurs à succès? Des fois, tu ne connais pas les facteurs à succès. Tu mets seulement la grâce de Dieu. Quand tu ne connais pas, tu bon, parce que la santé d'un enfant, tu connais quoi dans le corps? Donc, si Dieu t'a fait grâce et que tu réfléchis, bon, ok, bonne alimentation, variée, je sais pas moi, laver le nez, enfin, bref. Quand tu sens que c'est seulement la grâce de Dieu, tu mets seulement la grâce de Dieu. Facteur à succès, la grâce de Dieu. Sujet de prière, bah, que je continue de faire grâce pour mes enfants qui
garde en bonne santé. Alors, mauvais, si par exemple l'enfant a été tout le temps malade cette année, note-le et demande à Dieu, est-ce qu'il y a eu des déclencheurs? Une fois de plus, des fois même les maladies physiques sont liées au changement émotionnel. Ok? Donc, demandez au Seigneur, quelles sont les attitudes qui font. Est-ce qu'il y a des choses de mon ressort que je peux changer, que je peux faire mieux pour que l'enfant ne soit plus malade? Et en sujet de prière, c'est vraiment un sujet de prière là. Si ton enfant est tout le temps malade, urgence là, tu vas te lever dans la prière en 2024, hein? Tu n'es plus en mode, ce n'est plus en mode, ah, l'enfant c'est tout le temps malade. Hey, l'enfant c'est. Et tu fais quoi, maman? La maladie fait partie du pacte d'héritage de Dieu. Sauf si Dieu t'a dit comme Paul, hein? Parce qu'il y a les théories, chacun a sa doctrine ici dehors. Sauf si Dieu t'a dit comme Paul que c'est ton écharpe. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas. Mais peut-être Dieu est souverain. Mais non. Le pacte d'héritage. Mon enfant. Attends. Moi, non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Un Christ, enfant d'un Christ. Donc, la vie de Dieu qui m'anime est forcément contaminée à mes enfants. La Bible dit que mes enfants sont sanctifiés par ma foi. Donc, excuse-moi, maladie, tu es à la croix. Parce que le pacte de l'héritage de mes enfants, il n'y a pas la maladie dedans. Non. Donc, en 2004, dans les sujets de prière là, je vais commander aux esprits de. Hé, hey, maman, donc, tu. Je crois qu'on a compris. Et dans les bilans des bonnes habitudes, la dernière colonne qui doit m'accompagner, dans les bilans comme ça, tu dois mettre prier. Si ton enfant est tout le temps malade, prier, prendre des temps à part pour prier pour l'enfant hein, par rapport à sa santé. Tu peux juste pas être en mode de, non, l'enfant c'est malade. Non, tu réprimes la maladie. Tu parles à la douleur. Tu parles. La Bible, Jésus a dit, Jésus faisait ça. Et la Bible dit que en tant qu'enfant de Dieu, on va faire les œuvres que Jésus a fait, et même les plus grandes. Sauf que des fois, c'est notre foi, hein. Des fois, c'est juste une question de foi. C'est juste ça. Mais en tant que. Quand une mère se nerve. C'est pas le sujet. Si j'entre là-bas, on va finir à 23 heures. Avançons seulement. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que en 2024, on aura l'édition 2 du Réveil des Mères Sentinelles. C'est un rassemblement de mères où on parle des choses des mères. Et surtout où on allume le feu. Donc si toi, tu es là, tu. Ah, bien seulement, tu vas sortir avec un feu. En fait. L'intensité de la présence de Dieu qui va être relâchée là. Donc, l'idée, c'est de charger les mères. Il faut que. C'est un temps qu'on va mettre à part. On est seulement entre mères. Entre mères, on connaît nos défis, nos problématiques. Nos enfants ont des problématiques, ils ont des défis. On va venir présenter ça devant Dieu. Le réveil des mères sentinelles, c'est un mouvement. Et c'est vraiment le réveil. Donc, les mères, on doit se réveiller. Hein. On doit vraiment se réveiller. Donc, c'est un temps. De toute façon, la camp va dérouler à partir de l'année prochaine. Ça va vraiment être glorieux, mais c'est un temps pour les mères, il faut qu'on se réveille parce que des fois, il y a des choses qu'on accepte, qu'on tolère, que Dieu tolère parce qu'on tolère. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, je cherche une mère, je cherche une mère, je cherche une mère qui élève un mur en faveur de ses enfants. Je cherche une mère qui se tienne à la brèche pour qu'il ne soit pas détruit, mais je ne vois pas. Mais en cette saison, Dieu te voit. En cette saison, Dieu me voit parce que Dieu suscite une armée de mères sentinelles qui se tiennent à la brèche, qui sont intentionnelles. Et comme je dis, y a pas, là par exemple, ce qu'on fait, ce n'est pas que prier, c'est aussi veiller, regarder, faire le bilan. On doit être équilibré. Ok, on prie beaucoup et on prie. Hein. En tout cas, moi, je prie. Mais derrière, vous voyez, il y a aussi des actions posées. Ok, donc ça s'apprend. Parce que des fois, il y a des trucs on ne fait pas nature, on ne fait pas parce qu'on ne veut pas. Je pense qu'on aime tous nos enfants et on veut tous que nos enfants réussissent. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne sait pas. Ou bien pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas, mais on sait. Mais parce qu'on n'a pas, on a un peu la flemme. On est un peu fatigué, il faut quelqu'un pour réveiller un peu, pour nous réveiller. Amen. Amen, amen. Bon, on continue, parenthèse fermée. Prochaine ligne, par exemple. Domaine de sa vie sur le plan familial. Alors, est-ce que l'enfant est impliqué dans la vie de famille? Si tu as un adolescent, un préadolescent, est-ce que l'enfant commence à rester dans sa chambre beaucoup? Est-ce que l'enfant commence à. Avant, quand tu disais on sort, on va faire une promenade, en fait, ouais, machin, maintenant quand tu dis on sort, on fait une promenade. Non. Est-ce que tu m'accompagnes? Est-ce qu'on peut? Non, pas envie. Flemme. Faut noter. OK? Ou bien est-ce que, à l'opposé, l'enfant est plutôt dans le train, il te demande même, maman, c'est quand qu'on fait ça? Machin, machin. Faut noter. C'est pas un acquis. Il n'y a rien qui soit acquis. Et bien sûr, facteur à succès et sujet de prière. Et puis, facteur d'échec ou point d'amélioration et sujet de prière. Oh là là, mon Dieu. Le zoom, il est encore planté.
Donc voilà, en attendant que mon zoom redémarre. Rebaya Santa Karabaya Seteke Reba. Recording in progress. Rebabo Santa Karababo Sakata Rabaya Santa. Bon, je crois que vous avez constaté que ce qu'on fait est très sérieux. Alors, on va continuer. Au niveau de ces compagnies, par exemple, est-ce qu'au niveau de cette année, comment ça a été au niveau des compagnies? Est-ce qu'il a eu des bonnes compagnies? Est-ce que? Et une fois de plus, je rappelle, pour les personnes qui nous rejoignent, pour les mamans qui ont vraiment des bébés en tout bas âge, c'est vraiment quelles sont les valeurs, la question à se poser sur ces différents domaines, quelles sont les valeurs que je veux inculquer à l'enfant? Parce que des fois, on éduque nos enfants sans vision d'éducation, ok? Il est important de se demander, qu'est-ce que je veux? Si je te demande, maman, quelles sont les trois valeurs fortes que tu veux que ton enfant ait demain? Est-ce que tu es capable de me le dire comme ça, spontanément? Ou bien c'est ce que... l'honnêteté, non. Plutôt la loyauté, non. La crainte de Dieu, non. En fait, il faut connaître, c'est des choses qu'il faut connaître. Et du coup, en les connaissant, ça te permet de prier pour ça et de définir des actions à poser pour ça. Ok, donc au niveau de ses compagnies, au niveau financier, pour les enfants qui sont déjà un peu plus grands, s'il a une chirurgie, comment est-ce qu'il gère, si l'enfant est grand et s'il a peut-être une alternance. Oui, parce que c'est pour toutes les tranches. En fait, je ne me suis pas limitée dans les domaines, hein. C'est vraiment pour toutes les tranches. Est-ce que l'enfant est économe? Est-ce que l'enfant a plutôt tendance à être dépensier? Est-ce que l'enfant... Il faut observer nos enfants et pouvoir les coucher, en fait, sur une feuille. Est-ce qu'on peut fermer le micro de Marie-Fleur, s'il vous plaît? Alors, au niveau de ses résultats scolaires ou académiques, c'est une autre ligne, hein. Est-ce que l'enfant est brillant? Est-ce que l'enfant est moyen? Est-ce que l'enfant est médiocre? Si l'enfant a de bons résultats, quels sont les facteurs à succès? Peut-être que parce que tu travailles avec ton enfant, tu fais bien les devoirs, toi-même, tu t'appliques. Peut-être les facteurs à succès pour les bons résultats, c'est parce que tu encourages ton enfant. Même quand il ne fait pas bien, tu dis, tu vas y arriver, tu vas le faire. Tu vois, des fois, c'est ça. Du coup, ça lui redonne confiance en lui. Il faut le noter. Et sujet de prière, s'il est brillant, que le Seigneur vraiment garde sa mémoire. Que le Seigneur garde son intelligence dans le nom de Jésus. Que le Seigneur garde... En fait, comme je disais au début, on ne pourra plus dire qu'on n'a pas de sujet de prière pour nos enfants. Ok? On ne pourra vraiment plus dire. Quand tu fais le bilan, tu pries vraiment avec précision pour ton enfant. Je fais une petite pause parce que le zoom s'est encore arrêté. J'en profite pour boire un peu d'eau. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. On est en direct, hein? On a bien avancé par la grâce de Dieu. Oh là là. Recording in progress. Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu. C'est assez incroyable ce qui se passe ce soir. Mais je crois que, ça, vous savez, des fois, quand tu es combattu par rapport à quelque chose, tu comprends juste que tu es en train de faire la bonne chose. Et on est en train de faire les bonnes choses. Amen. On va continuer, ça ne nous arrête pas. Hein. On est toujours là, les mamans. Désolée, les coupures, j'ai jamais connu ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont connectées à l'école de la sérénité. On a cours et puis on n'a jamais eu ça. Donc... c'est assez incroyable. Mais ça ne nous empêche pas de continuer avec le PEPS. Ça ne nous empêche pas de continuer avec l'entrain, l'enthousiasme, l'effervescence. Parce qu'il faut délivrer tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Donc, les résultats scolaires, idem, hein, les facteurs à succès. Si l'enfant, par exemple, n'a pas de bons résultats scolaires, quelles sont les habitudes, les attitudes? Est-ce que c'est un laisser-aller? Est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas le temps de le suivre? La coupure, c'est plutôt sur Zoom, en fait. Est-ce que c'est parce que l'enfant a d'autres formes d'intelligence? Parce que oui, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a 8 formes d'intelligence. Peut-être que ton enfant, il n'est pas en mode A, B, C, plus, machin. Il a plutôt une intelligence spatiale. Il est plutôt dans l'art, le dessin. Tout ça, ça se voit avec le Saint-Esprit. Du coup, ça te permet même de l'orienter plus tard. OK? Des fois, je ne sais pas, en fonction de l'enfant... Il suffit juste que tu changes la stratégie d'apprentissage et puis comprendre tout.
Si tu es là, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 3 égale 5, 4 plus machin, il va rien comprendre. Il suffit juste que le Seigneur te shift, tu changes un peu la stratégie, tu mets peut-être deux bâtonnets, tu mets peut-être une chanson, deux chansons, et puis l'enfant, il a un sans faute, quoi. Donc vraiment, le fait de faire le bilan, ça te permet de voir tout ça, en fait, et de connaître ton enfant. Et Dieu te fait connaître ton enfant. Amen. Et j'ai mis une dernière ligne là sur l'effet marquant de l'année. Ça, c'est important. Alors, j'ai mis à côté, mais vous pourrez mettre en bas. L'effet marquant de l'année, ici. Hein. Alors, en fonction de l'année, peut-être que cette année, tu as une nouvelle naissance. Ça impacte forcément les enfants, la fratrie. Peut-être qu'il y a eu un déménagement. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être qu'il y a eu un remariage ou bien un mariage. Un mariage et tu avais déjà un enfant. Peut-être qu'il y a eu un changement d'école. Peut-être qu'il y a eu des vacances en famille et que c'est génial. Bref, l'effet marquant de l'année, il est important de les mettre aussi dans le tableau. Et dire par rapport aux faits marquants, bon, par exemple, moi j'ai mis vacances en famille, qu'est-ce que ça a créé, quels sont les facteurs à succès. Donc j'ai planifié en amont, j'ai réservé, on a économisé. Enfin bref, voilà, ça permet de faire le point. Et les faits marquants positifs à refaire. Par exemple, les vacances en famille, tous ensemble, à refaire. Donc là, il faudrait qu'on puisse s'arranger à partir de. Bref. Voilà. Maintenant, les faits marquants avec des mauvais résultats, peut-être une séparation, je prends un exemple, hein. Qu'est-ce que ça a causé, qu'est-ce que ça a entraîné en fait sur l'enfant? Est-ce qu'il y a eu des changements que tu as remarqués sur l'enfant? Mais du coup, comment est-ce que tu peux faire, parce que c'est acté, je veux dire, c'est fait pour l'instant, comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça pour remonter l'enfant? Parce que qu'on se le dit, en fait, ce qui arrive dans nos vies, ça impacte nos enfants. Ce qui se passe, même si peut-être cette année, il y a eu beaucoup de problèmes de couple, ça impacte l'enfant. Donc, vraiment, demander à Dieu, OK, comment est-ce qu'on peut faire au niveau des sujets de prière très importants? Des fois, ça va juste être demander la grâce de Dieu, demander la miséricorde de Dieu, demander que le Seigneur vraiment fasse miséricorde à notre enfant et que ce qu'on vit ne l'impacte pas plus que ça. Bref, vous avez compris, je pense qu'avec les différents thèmes, on a un peu compris de quoi il s'agit, OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on est toujours là? Si vous êtes toujours là, mettez-moi des cœurs. Faites-moi des choses pour me montrer qu'on est toujours là. On est toujours là, on est toujours là, on est toujours là, on est toujours là. Ça va, ça va, ça va? Est-ce que le volume est bon? Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les flammes, merci, merci, merci. Ok, on va continuer. Alors, on va continuer. La première partie du... Excusez-moi, je me rends compte que mon... Mon ordinateur va s'arrêter si je fais rien. Donc, je vais le brancher. Donc, en fait, la deuxième partie, c'était... Il y avait une première partie. Parfait, des cœurs, des likes. Très bien. Amen, les amen, les amen. Oui, ok, super. Plein de cœurs, super. Donc, la première partie, on voyait, on avait vu comment faire le bilan de l'année. On a fini avec cette partie du bilan. Maintenant, on va voir comment préparer l'année. Parce que là, on a fait le bilan de l'année 2023. Ah, tellement encourageant, parfait, super, gloire à Dieu. Et on voit maintenant comment préparer l'année 2024, puisqu'on est en 2023. OK? Donc, une fois, de toute façon, une fois que vous aurez fait le bilan là, une fois que vous avez vraiment rempli le tableau, vraiment, en fait, vous avez déjà... des sujets de prière. Vous avez déjà de quoi prier pour 2024. On est d'accord, non? Quand vous avez déjà fait la première partie du bilan, là, vous avez forcément de la matière pour préparer l'année 2024. Donc voilà. Comme je parlais, au niveau de la fiche bilan, il y a des actions concrètes. Par exemple, les vacances, par exemple, les temps de qualité avec chaque enfant, par exemple. Bref, tout ce que le Seigneur vous aura mis à cœur, bah, quand vous êtes en train de faire votre, quand vous êtes en retrait, là, dans le calendrier, notez-les. Bon, moi, aujourd'hui, je suis tellement occupée que je n'ai plus de spontanéité. Genre, non, je note tout ce que j'ai à faire avec les... Tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mon agenda. Je note chaque semaine. Je dis, bon, chaque semaine, il y a tel truc. OK, quand j'emmène à l'activité, pendant que je fais ça, tout est noté parce que sinon, je ne m'en sors pas. J'ai trop de casquettes. Donc, du coup, voilà. Et je vais vous proposer maintenant... un temps de prière que vous pouvez prendre, des différents points de prière, voilà, des différents points de prière que moi je fais et du coup je vous les propose, voilà. Je suis généreuse, hein, c'est le cadeau de Noël, hein. J'ai dit cadeau de Noël à toute ma communauté de Mères Sentinelles, vraiment.
Alors, donc vous allez vraiment prendre, quand vous avez fini de faire le bilan, vous allez vraiment préparer, prendre un temps de prière pour les, pour l'enfant, pour chacun des enfants. C'est mieux de faire chacun, je précise, hein. C'est mieux de faire pour chacun parce que ça permet vraiment de focaliser sur un. Parce que des fois, quand on prie, oh Seigneur, les enfants, mais chaque enfant est unique. C'est-à-dire que je dis toujours qu'on n'est pas la même maman avec chacun de ses enfants. Est-ce qu'il y a des mères ici qui sont d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, mettez-moi des cœurs. On n'est pas la même maman avec chaque. Parce que si tu copies-colles, si tu copies-colles tout ce que tu fais là, tu vas te prendre des. Tu vas buter les murs parce que ce qui a marché pour le premier, même le langage d'amour, le langage même de correction, à un, tu vas corriger, tu vas dire va au coin, ou bien tu vas. Ah, j'ai rejoint un cours. Oui, j'ai un tableau, on est déjà passé sur les tableaux. Bon, on va revenir, je vais remettre, je vais trouver un moyen. Inscrivez-vous sur le site Les Mères Sentinelles et puis vous allez recevoir le tableau ce soir. En fait, même le langage de punition. Donc, si avec l'autre là, tu punis en disant va au coin, ou bien l'autre, tu dis, je te prive de ça, et puis ça marche là. Donc, tu arrives là sur l'autre là, tu dis, je vais te punir, et ça fait rien. Ça fait rien de même. Donc, chaque enfant est unique. Et en tant que maman, on doit s'adapter. Si tu as cinq enfants, tu es cinq mamans. Si tu as sept enfants, tu es sept mamans. Chaque enfant, amen. Chaque enfant, je vois les commentaires, c'est exact, etc. Voilà. Donc, du coup. C'est pour ça que j'encourage les personnes à faire vraiment le bilan par enfant. C'est pas genre, oh, tous les enfants, ils ont bien réussi, là, ils étaient en santé. Prends un à un devant Dieu. Tu m'as donné sept, donc sept jours. Sept jours où je suis devant toi pour l'enfant. Amen. Donc voilà, déjà prendre le temps, je vous propose un peu un cheminement dans la prière, prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée, rendre grâce à Dieu pour tous les sujets de prière, d'action de grâce que vous avez mis dans le tableau là, les points positifs, etc. Il est important de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ça. Très important. On commence toujours par l'action de grâce parce que Dieu a fait. On va seulement venir dire, Seigneur, machin, fais ceci. Et ce que j'ai d'abord fait là, donc, on est comme le lépreux qui est revenu parce que Dieu avait guéri 10 lépreux. Ils sont partis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Donc nous, les mères sentinelles, on est comme le seul lépreux qui est revenu pour dire merci à Dieu, papa. J'ai remarqué que cette année, tu as pris soin de telle personne, de mon bébé Siméon. J'ai remarqué que cette année, tu as veillé. Non, j'ai remarqué que tu as gardé la santé de Anaël. J'ai remarqué que cette année, j'ai remarqué. Seigneur, j'ai remarqué. Vraiment, et je veux te dire merci. Merci parce que c'est toi qui l'as fait. Merci parce que nous, t'étais ta grâce. Cet enfant aurait été malade tout le temps. Nous, c'était ta grâce, toutes les qualités, la bonne humeur, la joie. Je n'aurais pas constaté. Je reviens sur mes pas à cette fin d'année. Quand je regarde l'année, j'ai remarqué ton action dans la vie de mon enfant et je veux te dire merci. Amen. Très, très, très important. Alors, le deuxième point, c'est vraiment prendre le temps de se repentir, prendre le temps de s'humilier devant le Seigneur, prendre le temps de demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour notre négligence, pour notre flemme. Pourquoi encore? Bref, pour toutes les choses qu'on n'a pas bien fait durant l'année, pour notre légèreté, pour bref, parce que des fois, on va voir plus tard que après on va vraiment demander au Seigneur de faire sa volonté. Et des fois, s'il y a quelque chose qui met une barrière entre nous et Dieu, c'est vraiment la désobéissance. Et quand on parle de désobéissance, des fois on pense que la désobéissance c'est seulement les grands péchés que j'ai volé, j'ai triché ou bien j'ai tué quelqu'un. Non, non, non. Rien que le fait que le Seigneur te dit, lève-toi et prie et que tu ne te lèves pas, c'est la désobéissance. C'est ça, non? Donc, c'est vraiment s'humilier devant Dieu. Diras-tu vraiment, je reconnais en tant que mère mes limites, je te demande pardon. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, vraiment prendre le temps de s'humilier devant Dieu. Demander pardon, demander pardon, demander pardon. Parce que derrière, quand tu vas demander à Dieu de te parler de ton enfant, Dieu, il est important déjà d'être dans l'obéissance. En fait, il est important d'être dans l'obéissance, il est important d'être au clean avec le Seigneur pour qu'il puisse te parler tranquillement. Donc, c'est très important de s'humilier et vraiment pas s'humilier pour la forme, hein, mais d'avoir un réel désir dans son cœur de marcher avec le Seigneur, d'avoir un réel désir dans son cœur d'être agréable à Dieu, d'avoir un réel désir dans son cœur. Très important. OK? Alors, le troisième point que je vous propose, c'est vraiment de prendre le temps de réclamer la volonté parfaite de Dieu pour 2024. Ça, c'est important. Et je l'ai dit au début, il y en a qui ont rejoint. Il faut prendre le temps. Chaque année a sa feuille de route. C'est-à-dire que, et pour chaque enfant, c'est-à-dire que peut-être que si tu as quatre enfants, trois enfants, le Seigneur va te dire pour un, accentue l'amour. Pour l'autre, le Seigneur va te dire, lâche prise. Pour l'autre, le Seigneur va te dire, attention à la compagnie.
pour l'autre, le Seigneur va te dire, veille sur ses fréquentations. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les feuilles de route changent en fonction de l'année. À chaque année, sa feuille de route. Ce que Dieu t'a dit la dernière fois pour ta famille, ce n'est pas forcément la même chose qu'aujourd'hui. Donc, chaque année, tu dois réactualiser, Seigneur, pour cet enfant, comment tu veux que je me positionne? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois mettre l'accent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois faire? Vous voyez, dans la Bible, il y a l'histoire de deux pêches miraculeuses. Hein. Dans la Bible. Dans la première pêche miraculeuse, dans le livre de Luc 5, verset 1 à 11, le Seigneur a dit à Pierre, avance à grande eau. Avance à grande eau. La deuxième pêche miraculeuse, Jean 21, verset 1 à 7, Jésus a dit à Pierre, va sur la droite. Ouais, de quoi il parle ou pas? Jésus a dit à Pierre, va sur la droite, jette ton filet à droite. Donc, un coup, le Seigneur va te dire, avance à grande eau, va en profondeur, va en pleine eau. Une autre fois, le Seigneur va te dire, jette le filet à droite. L'instruction de Dieu varie en fonction des années. Donc, pour chaque année, tu as besoin de demander pour chacun de tes enfants quel est le, on dit quoi, mood board, le vision board, voilà. Quels sont les mots-clés? Quelles sont les choses que je dois faire et qui doivent régir l'année de mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire? C'est important. Et Dieu va te le communiquer. Moi, par exemple, mon année 2023, là, personnellement, n'a pas forcément été évidente. Mais mon année 2023, par la grâce de Dieu, est réussie. Je considère que mon année est réussie parce que tout ce que le Seigneur m'avait demandé de faire en 2023, j'ai fait. Et la conférence des mères, et la sortie de mon deuxième livre, Les prières d'une mère. Si vous n'avez pas le livre là, en tout cas, il faut avoir le livre là. Et l'école de la sérénité, mon école en ligne pour l'accompagnement des femmes spirituelles. En fait, toutes les instructions quand j'avais fait le bilan 2023, tout ce que le Seigneur m'avait demandé de faire pour 2024, par la grâce de Dieu et seulement par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Donc aujourd'hui, mon année, j'ai eu des moments difficiles, comme vous tous, je pense qu'on s'imagine bien, j'ai eu des coups durs, j'ai eu des moments où ce n'était pas évident. Mais mon année est réussie parce que j'ai fait la volonté de Dieu pour mon année. J'ai fait ce que Dieu voulait de mon année. Donc au-delà, je ne regarde plus au moment difficile. Je dis merci Seigneur parce que cette année est réussie. J'ai le témoignage intérieur que j'ai fait tout ce que tu avais prévu que je fasse en 2023. Et je suis prête à attaquer en 2024 par la grâce de Dieu. Et c'est pareil pour nos enfants. Le succès et la réussite de l'année de nos enfants, ce n'est pas parce que le ménage sera toujours fait. Ce n'est pas parce que leur linge sera toujours propre. Ce n'est pas parce qu'ils auront les résultats scolaires. Ce n'est pas ça le succès d'une année de l'enfant. Le succès d'une année de enfant, c'est que on puisse faire la volonté de Dieu, que cet enfant accomplisse ce que Dieu avait prévu qu'il accomplisse en cette année-là. C'est ça le succès d'une année, parce que notre réussite en tant qu'enfant de Dieu, c'est une réussite selon Dieu, pas selon le monde. Donc, d'où l'importance d'aller demander à Dieu pour cette année. Qu'est-ce que tu dis pour mon enfant? Ésaïe 46, verset 10 dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'aime trop ce verset. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, Dieu peut te montrer, Dieu peut t'annoncer, Dieu peut te révéler, Dieu veut te parler, Dieu veut te parler de ton enfant. Vous savez, et puis il y a une chose que je veux souligner qui est tellement importante, c'est que, en fait, ta responsabilité à toi, c'est de prier, de demander à Dieu. Il a dit dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Franchement, les mamans, quand il s'agit de nos enfants là, Dieu nous parle. Quand il s'agit de nos enfants, quand une mère vient faire ça, Dieu te révèle, Dieu te parle. Et à toi, ton rôle, c'est de demander, parce qu'il faut que je souligne ça. Quand tu vas aller faire ton temps à part pour ton enfant pour demander, Dieu ne va pas forcément te dire tout de suite. Hein. Moi, personnellement, Dieu ne me parle pas forcément tout de suite. Des fois, c'est quand je suis en train de faire ce qui n'a rien à voir avec les enfants. Je suis en train de faire le ménage, ou je suis en train de conduire, ou je suis au travail. En pleine réunion qui n'a rien à voir, en fait. Des fois, je dis, Saint-Esprit, tu peux quand même... En fait, je reçois un téléchargement et c'est tellement clair. Je prends mon téléphone pour noter. Mais ce n'est pas forcément quand je suis en train de prier, quand je suis en train de supplier, quand je suis en train de demander à Dieu. La réponse n'est pas forcément là. Et je veux dire à une mère ce soir, le comment, le quand ne t'appartient pas. Toi, ton rôle en tant que mère, c'est de demander. Et le Seigneur dit, demandez, on vous donnera. Le Seigneur dit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, ton rôle, c'est de demander. Maintenant, le quand, le comment, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de chercher Dieu pour ton enfant. Et c'est de la responsabilité de Dieu maintenant de savoir quand il va te répondre et comment il va te répondre. Mais il faut que tu sois certaine que Dieu va te répondre. Amen. Il faut que tu sois certaine que Dieu va te répondre. Si Dieu a écrit, si, amen, il nous parle tantôt du matin, tantôt du jour, c'est ça. Si Dieu a réveillé Joseph, il a apparu en songe à Joseph, il a dit à Joseph, s'il te plaît, cette nuit-là, il faut aller en Égypte, oui.
Parce qu'il y a le roi Hérode qui veut, qui est en colère et il va tuer tous les enfants qui sont ici là en Israël. Donc lève-toi vite. Joseph lui a même dit, en fait, Dieu est tellement intéressé par nos enfants. À combien plus forte raison lorsque tu viens lui demander. Et quand tout s'est passé, le même Dieu, il est encore venu voir Joseph. Joseph, bon, maintenant, il est mort. Et tous les gens là, ils sont morts. Donc tu peux retourner en Israël. Ah, le Dieu là, il n'a pas changé, maman. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis un peu Amen. Le Dieu là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il veut nous révéler les choses sur nos enfants. Il veut. Maintenant, c'est à nous d'aller dans sa présence. C'est à nous d'aller dans sa présence. Donnez-moi juste une minute que je branche mon téléphone, mon ordinateur plutôt. Bon, je vais juste brancher mon ordinateur. Voilà, je suis là. Je vais juste devoir le bouger un peu. Désolé, il était plein, hein? Les aléas du direct. Mais on a bientôt fini, on atterrit. Hein? Donc voilà. Ok? Donc en fait, voilà, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous parler. C'est clair. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et comme je dis, il n'y a aucun fabricant qui ne veut pas le bien de sa fabrication. Et aucun créateur qui ne veut pas le bien de sa créature. Et lorsque tu viens vraiment avec humilité pour demander à Dieu, mais par rapport à l'enfant, comment va Dieu va te révéler, Dieu va te parler, Dieu va te donner la feuille de route pour 2024. Amen. Et la dernière partie, c'est vraiment, quand tu as fini, on a dit, hein, rendre grâce pour l'année, rendre grâce pour les bienfaits pour les enfants, prendre le temps de s'humilier, de se repentir, de demander pardon, etc. La deuxième étape. Troisième étape, réclamer la volonté de Dieu pour cette année 2024, pour chacun de tes enfants. Appeler, réclamer, demander à Dieu de te révéler quelle est sa volonté, de te révéler ce qu'il veut. Et la quatrième étape, c'est déprogrammer l'agenda du diable pour la vie de tes enfants. Oui, parce que Jérémie 29, 11, car moi je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour nos enfants, mais il y a aussi l'ennemi, le camp adverse aussi. Il a aussi des projets, hein? Il a aussi des projets. Donc maman, quand tu te places là pour 2024, tu as fini de réclamer la volonté maintenant. Maintenant là. Tu déclares aussi que tout ce que l'ennemi avait programmé sur la vie de ton enfant, tout ce que l'ennemi avait. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 15, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire qu'il y a des complots qui sont faits. Dans le monde spirituel, il y a des complots, il y a des coalitions. L'ennemi a un agenda pour nos enfants. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, ton enfant trop malade, là, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est déjà prévu. Donc, avant d'être là et d'attendre que ça arrive pour prier, tu vas commencer vraiment à être nerveux dans la prière. Tu vas déprogrammer tout ce que l'ennemi avait prévu pour ton enfant, tout ce que l'ennemi avait concocté. Tu déclares que ces projets avortent au nom de Jésus. Tu prends autorité sur tous les esprits qui ont été envoyés dans le monde des ténèbres pour influencer ton enfant. Tu t'énerves et tu pries pour chaque mois. Maman, ta langue là, ta bouche là est trop puissante. Ta bouche, est-ce que tu peux dire ma bouche est puissante? En tant que mère, ta bouche est trop puissante. Donc, on ne peut pas, tu peux pas. En cette fin d'année, c'est là. Ok, on va se réjouir, on va fêter. Moi-même, on va fêter, on va passer des moments en famille. Mais restons un peu focalisés. Reste un peu focalisé. Ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite parce que tu es gestionnaire de quelque chose d'important et de précieux pour Dieu. Ok? Donc, il faut prendre le temps, maintenant que tu as fait tout ça, de déprogrammer l'agenda du diable. De déclarer que cette année, c'est seulement les desseins de Dieu. De déclarer que toute arme forgée contre tes enfants, tu les nommes par leur nom, tu les sais. Tu parles au mois de janvier, tu parles au mois de février, tu parles au mois de mars, tu parles au mois d'avril, maman, tu proclames sur chaque mois, tu annonces, tu déprogrammes le diable, tu remplis, tu enlèves ce que le diable avait prévu, tu remplis les grâces de Dieu, tu enlèves ce que le diable avait prévu. Tu remplis les. Je pense qu'on a compris, pardon. Je pense qu'on a compris. Amen. C'est tellement important. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. C'est le psaume 89, verset 22. Alors, dans le contexte, c'est que le Seigneur dit qu'il a trouvé David un homme selon son cœur. Ok. Il dit, j'ai trouvé David un homme selon. Donc, il faut être quand même la femme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que, comme je disais au deuxième point, l'obéissance. Avoir une. Un cœur qui veut plaire à Dieu. Mettre sa vie en ordre devant Dieu. C'est important. Et dans le psaume 89, là, la Bible dit, verset 22,
L'ennemi ne le surprendra pas. Ah, j'aime trop ce verset. Moi, quand j'engage ça, j'ai dit à Dieu. Bon, accorde-moi la grâce cette femme selon ton cœur. Parce qu'il faut comprendre le contexte. Hein. Des fois, on prend le verset, on dit, oh, tu as dit dans ta parole, dans le psaume 89, verset 22, que l'ennemi ne souffrira pas. Non, sauf qu'il s'agissait de l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu disait, voici David, mon oint, celui que j'ai oint de mon huile sainte. L'homme selon mon cœur. Est-ce que tu es la mère selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es la femme selon le cœur de Dieu? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de restituer le verset. Moi, j'aime trop ce verset. Je dis, Seigneur, pardon, papa. Donc, fais de moi selon une femme selon ton cœur. OK. J'ai dit, voici David, j'ai dit, voici Nadia, femme selon ton cœur. Voilà. Je l'ai ointe de mon huile sainte. Tu parles de moi. Ma main, c'est le début hein, du psaume 89. Mon bras la soutiendra en 2024. Tu vas me soutenir. Ma main la fortifiera quand je serai faible, quand je serai down, quand je serai. C'est toi qui vas me fortifier. Maintenant, l'ennemi ne la surprendra pas. Aïe. J'ai dit ça, toi, tu peux pas me surprendre pour mes enfants. Même si c'est par songe, même si c'est vision ouverte, même si c'est comment le Seigneur va nous prévenir. Le Seigneur va nous prévenir et on va désagréger, et on va annuler, et on va être offensif, et on va bombarder. Oui, parce que je suis le temple de Dieu. Ma vie est une zone interdite pour le diable. La vie de mes enfants, le fruit de mes entrailles. Interdiction de toucher formelle, 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 formelle. Est-ce qu'il y a une maman ici là pour qui les enfants sont interdits? Est-ce que ton enfant est une zone interdite? Si ton enfant est une zone interdite, dis d'abord mon enfant est une zone interdite. Écris un peu, mon enfant est une zone interdite pour le diable. Mais ça là, les enfants dans la prière. Et pas seulement quand le problème est. Non, prends le temps, des programmes, des broussailles. Aplanis les sentiers de ton enfant de l'année 2024. Aplanis ses sentiers, aplanis ses sentiers. Laisse un héritage de bénédiction à tes enfants. Ça vaut plus que les cadeaux, l'or et l'argent. Tous les cadeaux de Noël, là, tout ça, là, c'est une bonne chose. Mais s'il te plaie, ouvre le chemin de tes enfants. Ouvre, fraye-leur un chemin spirituel, s'il te plaît. Ça vaut plus que les jouets et les cadeaux et tout ce que tu peux leur donner, je t'assure. Et ça a une portée éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là. On va arrêter là, on va arrêter là. Amen, mon enfant est une zone interdite. Amen, alléluia. Yes, j'aime bien ces déclarations. Amen, amen. Donc après, pour le 2024, en fonction, le Seigneur vous donnera des directives. Il y en a, le Seigneur vous demandera de prendre des jours de jeûne. Il y en a, le Seigneur vous demandera de jeûner spécifiquement pour des sujets. Il y en a, mais vraiment, prendre le temps de chercher Dieu. Vraiment, on ne peut plus être des mères, on fuit, non, 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 non. À partir de cette année, ça change au nom de Jésus et on est vraiment intentionnel dans la prière, mais également intentionnel dans la veille, en fait, dans la veille. Donc voilà, bah, que Dieu vous bénisse, hein, on est arrivé au terme de ce temps. J'espère que vous avez été encouragés, j'espère que vous avez été bénis. J'espère que ça vous a challengé dans votre rôle de mère. C'est l'objectif parce que le Seigneur ne pense pas qu'à Nadia. Le Seigneur veut vraiment susciter une armée, une armée, une armée, une armée de mères. Et le Seigneur compte sur toi. Et nos enfants sont bénis parce que je crois que si tu t'es connecté à cela, c'est parce que tu as le cœur de Dieu pour tes enfants. Bon, vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre présence. Hein. On était quand même pas mal, on était plutôt nombreux. Et voilà, on est ensemble. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui se sont connectés, qui se sont inscrites, qui s'étaient inscrites pour les liens Zoom. Dès qu'on raccroche, je vous envoie par le live est-il enregistré? Oui, on va l'enregistrer ce soir. On va l'enregistrer là. Oui. Je ne sais pas s'il va demeurer, mais oui, il va être enregistré. En tout cas, il va être enregistré. Demain, il sera encore là. Et voilà. Et puis je vais vous envoyer par mail le document que je vous ai présenté là, le document de partage. Et voilà. Bah, en tout cas, si vous avez un souci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire inbox. En inbox, c'est moi qui réponds. C'est pas mon staff, c'est pas mon équipe. C'est moi qui réponds à tous les inbox. C'est vraiment moi. Donc, il n'y a personne qui répond à ma place, c'est moi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. Hein, vraiment, une armée de mères sentinelles est en marche. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. Merci. Ah, je vous en prie, merci. Bon, je pense qu'il n'y avait pas de questions, hein. Les questions, je les ai prises au fur et à mesure. Je pense qu'il y avait... Ah, de rien, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Je pense que les questions...
Amen. Amen. Vous êtes bénis également. Goodbye. Prenez bien soin de nos enfants. Ils sont précieux. Donc, sur Instagram, je vais me déconnecter.